ils ne se feront plus de cadeaux. Angelina Jolie et Brad Pitt ont été l'un des couples les plus glamour et les plus puissants d'Hollywood. Ensemble, ils sont à la tête d'une jolie tribu de 6 enfants et c'est notamment pour leur garde que les anciens amants se déclarent aujourd'hui une guerre totale. Leur procédure de divorce engagée en 2016 ne semble pas prête de finir, et les procédures complexes s'enchaînent à tour de bras. Récemment, l'acteur avait obtenu du juge en charge de leur affaire la garde partagée de leurs enfants. Une victoire de courte durée pour le héros de On Supon à Time in Hollywood, puisque dans la foulée l'actrice avait obtenu en juillet la disqualification du juge Uder Kirk. En réponse à cette action, un document de 87 pages avait été remis à la cour de Los Angeles par l'équipe juridique du comédien. Dans un communiqué repris par de nombreux médias américains, son avocat Theodore J. Boutrougière du cabinet Gibson DUNN indiquait « Nous demandons un réexamen devant la Cour suprême de Californie parce que le juge temporaire qui avait été nommé et renouvelé à plusieurs reprises par les deux parties, a été indûment disqualifié après avoir rendu une décision concernant la garde qui était détaillée et factuelle. » et qui faisait suite à une longue procédure judiciaire avec plusieurs témoins et experts. L'avocat a ajouté que ce mouvement de la Cour d'appel de Californie pénalisait son client et risquait de créer un dangereux précédent qui générerait une confusion, une incertitude et une instabilité généralisée pour les juges, les plaideurs et le système judiciaire californien dans son ensemble. La décision de la Cour d'appel est mauvaise pour les enfants et mauvaise pour le système judiciaire surchargé de Californie, avait-il conclu. Enfin, Olson a ajouté que la comédienne espère que M. Pitt joindra ses efforts aux siens pour se concentrer sur les besoins, les voix et la guérison des enfants. En d'autres termes, Angelina Jolie ne lâchera rien.